Vous êtes toujours sur Radio Émotion et mon invité aujourd'hui, c'est Vincent Pompara. Bonjour Vincent. Bonjour Sébastien. Merci d'être là parce que c'est l'événement aujourd'hui. La colle sur loup crée l'événement avec, oui, c'est possible, un changement de nom pour la commune, c'est ça? Expliquez-nous. Eh oui, merci de votre invitation. Effectivement, la colle sur loup a recours au naming territorial pour augmenter ses capacités budgétaires. L'office de tourisme va associer le nom de la commune avec le nom d'une grande entreprise qui fait sens avec la ville de la Colle-sur-Loup. C'est une grande première, évidemment, mais on a envie de savoir justement quelle marque va s'associer à la commune, finalement. Oui, on connaît déjà l'Alliance Riviera, on connaît l'Accord Arena Hotel, mais on ne connaît pas de sociétés qui ont donné leur nom à celle d'une commune. Et nous avons choisi trois sociétés qui sont retenues aujourd'hui. La Colle, dans quelques mois, d'ici la fin de l'année, pourrait s'appeler la Colle Scotch, la colle UU ou la colle Cléopâtre. Alors, c'est une véritable révolution. J'imagine que rien n'a été laissé au hasard, le choix des marques a été calculé. Comment ça s'est passé? Comment ça se met en place tout ça? Et bien entendu, alors vous voyez, la colle Scotch, il faut vraiment que ça ait du sens hein, avec le nom de la commune. Et bien ces entreprises connues nous ont proposé différentes solutions et des avantages pour les Colois, notamment la colle Cléopâtre qui propose de repeindre les toitures des maisons du village en orange et les façades en blanc. C'est quand même une rénovation gratuite pour les Colois et ça c'est intéressant. Pour être totalement en accord avec la marque aussi et son packaging. Alors évidemment, forcément il y a d'autres marques qui sont en lice pour emporter la mise. Eh oui, c'est ça, et notamment la colle Scotch. Oui, alors, d'ailleurs, c'est une information qui nous scotche. Hein, Bien sûr, on est tous scotchés ce matin. Hein. Nous sommes scotchés. Bien sûr. Et j'imagine que les auditeurs le sont aussi. Évidemment. Et la colle Scotch propose aux Colois d'offrir leur poids en colle aux familles coloises. D'ailleurs, dans quelques semaines, nous allons rentrer chez les familles et faire un sondage pour connaître le poids global de la famille. De chaque foyer. De chaque foyer, évidemment. Les femmes enceintes et les gourmands seront avantagés sur ce coup-là. C'est comme bien, ça. C'est bien, c'est comme ça. Voilà. Il y a, alors bien sûr, hein, celle-là, on la connaît. Et à oui, l'école aussi, on l'a utilisée, tous et, ouais, et toutes. C'est un bâton de colle. Hein, ouais. On pourrait dire que la colle est devenue un tube international hein, grâce à... C'est vrai. C'est vrai, et là, encore une marque qui pourrait donner son nom à notre commune. Alors pour terminer, Vincent, est-ce qu'on a une idée du calendrier? À quel moment la colle pourrait basculer vers ce naming? Vraisemblablement avant la fin de l'année 2022, tout cela va aller très vite. Merci Vincent. Merci beaucoup. On va surveiller tout ça de très très près, et nous, on continue de passer la matinée ensemble sur Émotion.